Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Outdoor Tide. J'ai choisi chez eux cette fois-ci que du diamond painting. Voilà, par contre je vais donner tout de suite les renseignements pour la promo. Parce que là il y a une grande tartine à vous lire pour les promos. C'est le Black Friday. Également sur ces boutiques. Alors, je vais lire pour vous le dire tout de suite, mais je vous remettrai tout en barre d'infos. Alors, la vente du Black Friday, donc promotion 1, vous avez un coupon de 8 dollars sans seuil, sans limite. Utilisez donc le code de réduction pour passer la commande et obtenez 8 dollars de réduction. Donc il y a le code de réduction OOT Black Friday 08, mais je vais vous le mettre certainement là ou sinon vous allez le retrouver en barre d'infos. La validité de ce code promo est du 12 novembre. Ça y est, je me meurs. Du 12 novembre au 30 novembre. Donc il y a encore temps pour vous de vous en servir. Par contre, attention, il n'y a que 200 codes promo. Premier arrivé, premier servi. Et elle est limitée à une utilisation par personne. Promotion 2. Alors, pour des remises, pour les articles complets. Donc, c'est des remises qui sont automatiques lors de la commande. Vous en achetez 1, vous avez 10% de réduction. Vous en achetez 5, vous avez 15% de réduction. Vous en achetez 10, vous obtenez 20% de réduction. Vous en achetez 15, 23% de réduction. 20, vous obtenez 25% de réduction. Également, ça fonctionne du 12 novembre au 30 novembre. La promotion 1 et la promotion 2 peuvent être utilisées ensemble. Par exemple, si vous commandez 10 produits, pourquoi pas, ça va être Noël, il faut faire des cadeaux, vous pouvez obtenir 20% de réduction, puis utiliser le code de réduction que je vous ai donné tout à l'heure, vous économisez 8 dollars. Les deux promotions donc, peuvent donc être utilisées ensemble. Et moi, je vous donne un code de réduction supplémentaire qui vous donnera 5% de réduction. Mais celle-là, elle est valable toujours du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. C'est Didit 5 off. Off en majuscule. Voilà. Donc celle-là, vous pouvez l'utiliser tant que vous le souhaitez. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remets tout en barre d'infos. Je préférais le dire tout de suite parce que c'était tellement long. Hop, voilà. Alors, on va se mettre... Je sais pas, en ce moment, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai la gorge qui gratte. On va se mettre face bureau. Ce sera beaucoup mieux pour voir tout ça en détail. Premier article, dans une boîte en carton. Bon, la boîte, elle a pris un petit peu cher, mais ça, c'est pas grave. L'article dedans est nickel, j'ai vérifié. Donc, vous allez le recevoir comme ça, en boîte cartonnée. Hop. Vous allez avoir un petit toolkit, bien sûr. Vous allez avoir des strass. On va les voir en détail après. Et vous allez recevoir cet objet donc, que vous pourrez poser sur votre table, sur votre meuble. Alors, je vais essayer de le mettre. Mais Gaston Lagaffe ne va pas y arriver, comme d'habitude. Ah, si, ça y est. Ah, voilà. Hop. Donc, un petit sapin. Voilà, je vais l'enlever parce qu'après, pour le ranger, il n'y a pas de recto verso, il ne se fait que d'un côté. Voilà. Donc, vous avez
Des strass à mettre un peu partout, des plus gros, des moins gros, des tailles normales, voilà. Donc, il y a un plastique de protection et ça colle très très bien. Alors ça, par contre, c'est le genre d'article qu'une fois vous l'aurez terminé, il faudra le vernir pour pas que les perles bougent, puisque ça, c'est un que vous allez ressortir à chaque fois à Noël, hein. Donc il faudra le vernir et moi je vernis avec la colle Cléopâtre, le vernis colle Cléopâtre. Voilà. Alors j'ai eu le petite surprise l'autre jour quand j'ai fait un marque-page. La colle n'a jamais voulu sécher. Enfin, il y avait toujours une impression de colle. Voilà, ça, quand on touchait. Et du coup, j'ai remis au-dessus celle-ci, ça. Le vernis que vous trouvez chez Action, voilà, en bombe. Alors, celui-là, c'est du transparent, bien sûr. Et depuis, je suis tranquille. Voilà, ça, il n'y a plus d'impression d'adhérence sur. Donc, si jamais ça vous fait ça, vous pouvez vernir donc au vernis colle. Et donner un petit coup de bombe avec ça, ça marche nickel. Voilà. Ça, vous le trouvez chez Action. Hein. Allez, on va regarder les strass. Voilà. Allez, hop, on va zoomer. Alors, ceux-là, ils sont blancs, mais un peu gris. Des marrons, des verts, des rouges, des verts plus clairs, des gros. Alors, ils sont super beaux. Regardez, vous avez vu comment ça brille? Ils sont en forme diamant, vraiment, là. Là, on a des gros rouges. Alors, combien on a besoin d'en mettre des gros rouges? Deux. Donc, ça va, on en a trois. Des plus petits. Et ceux-là, il faut en mettre trois. Donc, on en a cinq, six. Donc, ça vient. Des yeux de chat, tout brillant. Et des étoiles. Elles sont. Alors, j'arrête de zoomer. Voilà. Elles sont trop, trop belles. Les étoiles, il en faut une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Onze, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Alors celui-là, je le ferai très rapidement avec vous en vidéo pour vous montrer le résultat. Et puis comme ça, j'aurai une décoration de Noël en plus. Alors, cette année, je vais être embêtée. Est-ce que j'aime bien décorer un petit peu ma fenêtre de devanture? Mais on n'a plus d'appui de fenêtre avec les nouvelles fenêtres. on a vraiment. Alors, en haut, j'ai. En bas, j'ai peut-être un truc comme ça qui fait même pas 10 cm. En haut, je n'ai plus d'appui de fenêtre du tout. Du coup, bon, on verra bien. On verra comment on fera. Alors, ce petit sapin, qu'ils appellent ça un décor de table, est à 9,99 $. Alors, maintenant, il y a deux DP à vous montrer. Voilà, celui-là en premier. Si je trouve le bout, je ne les ai pas déballés. Alors, ça, ce sera Chouchou qui va les faire, hein, vous savez. Alors, j'ai combien de couleurs? 21. On a le petit toolkit, comme d'habitude. Les perles rondes en sachets chapelet, qui normalement sont découpées par couleur, je pense. Oui. Oh, par contre, ça, c'est bien.
Alors là, je vais vous montrer tout de suite. Je vais zoomer. Les numéros, vous voyez, ils sont brillants et super bien imprimés. Très lisibles. Alors ça, c'est top. Parce que ces sachets-là, souvent, c'est en noir. Mais alors, c'est... Des fois, il y en a qui sont aux trois quarts effacés. Ou... Mais là, c'est la première fois que je les vois comme ça, imprimés en brillant bleu. Très, très bien. Un bon point. Voilà, les couleurs. Là, on voit vraiment bien les numéros. Ça, c'est top. Ça, c'est marron. Voilà, comme ça. Alors, est-ce qu'on le voit justement? C'est ça le problème. Les impressions, c'est sur le noir. Alors, est-ce qu'on le voit bien sur le noir? Oui, ça va. Regardez. Au moins, là, sur le noir, c'est une catastrophe. Hein, par contre, pour le voir, alors du noir, on en a quand même pas plusieurs sachets. Non, là, les chiffres, les références sont bien lisibles. Même sur le bleu marine, on le voit bien. Bon, à l'écran, vous voyez, c'est normal, à l'écran, ça brille. Hein. Mais je peux vous dire que moi, je le vois très, très bien. Non, c'est vraiment bien. Et voilà le dernier. Alors, pardon. Remettre tout de suite dans le sachet parce que comme je dois vous en montrer deux, je ne voudrais pas mélanger les couleurs. Chouchou serait pas content. Ah là là. Hop, voilà. Désolée pour le bruit. Et celui-ci, ah oui, c'est celui-là. Alors attendez, je vais dézoomer pour que vous voyez mieux. Alors, ce sont des petits chats amoureux. Bon, je ne m'embête pas trop avec le plastique puisque nous, on les enlève. Hein. On va mettre du papier sulfurisé dessus. J'en profite. Bon, j'ai déjà répondu dans les commentaires, mais j'en profite. Alors, on m'a demandé pourquoi on changeait le papier quand on faisait les DP. Parce que ces plastiques-là, il y a un sens. Si vous avez le malheur de le retirer et de vouloir le remettre sur votre plastique, mais vous ne l'avez pas mis dans le bon sens, eh bien, bonjour pour le retirer après. Parce que ce côté-là, vous voyez, hop, il est très facile. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne vais pas tenter hein, de le mettre à l'envers. Mais si vous mettez le côté là que l'on a sur le dessus, mais que vous le mettez sur la colle, bonjour pour le retirer. Et vous risquez d'arracher votre DP en plus. Donc, c'est pour ça, nous, on le retire complètement, on le met direct à la poubelle et on met un papier sulfurisé. Ça ne bouge pas. Deuxième question qu'on m'a posée, est-ce que le papier sulfurisé enlève la colle qui est sur le DP? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un sens sur le papier sulfurisé? Pas du tout. Est-ce qu'on peut écrire sur le papier sulfurisé? Tout à fait. Voilà. Donc, le papier sulfurisé, donc c'est le papier cuisson, n'a que des avantages pour sur votre DP. Voilà. Je pense avoir re-répondu à toutes les interrogations. Alors, voilà. Un petit chat blanc
un petit chat noir avec des jolies fleurs autour d'eux. Voilà. Il est très très beau. Alors, niveau impression, ben, il n'y a pas de souci. Et niveau colle, ça colle bien. Alors, ce petit dépé, le couple de chats romantiques, oui, c'est ça le titre. Donc, c'est un 30-40. J'arrête de faire du bruit. C'est un 30-40 en perles rondes. Il est à 5,89 $. Voilà. Hop, on le met sur le côté. Ça, on finira de remballer après. Ici, alors en ce moment, Chouchou est dedans dans ces modèles-là. Il aime bien. Donc, hop. Donc, c'est toujours un 30-40. Et le petit toolkit et également les sachets chapelets de perles rondes et avec les inscriptions écrites en bleu brillant. Donc ça, ça doit être vraiment les nouveaux DP. Et allez, fais du bruit, fais du bruit. Allez, on regarde ça en zoomant. Là, 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 là. Oh, c'est rien. Vous inquiétez pas, ça me prend des fois. Ah oui, je vais profiter. Je sais, j'ai comment cette semaine. Normalement, je vous ferai la vidéo explicative pour le calendrier de l'Avent. Alors, il y a du noir, noir, noir. Ah non, c'est pas noir. C'est le 939. Je crois que c'était du noir. Il va y avoir de toute façon d'ici jusqu'à la fin du mois plusieurs vidéos explicatives pour différents événements. Genre les salles de l'année prochaine, les cales, voilà. Il va y avoir plusieurs choses. Alors, ah. Et l'avant-dernier, pardon, il y en a encore un derrière, et celui-là. Voilà. Ah, ben celui-là, je rangerai après. Et voilà le dessin. Hop, je vous dézoome. Une Katerina, voilà. Oui, Chouchou est là, est dedans en ce moment. Il en a encore choisi une, hein, en plus. Je sais pas, c'est sa période. Alors, il y a 19 couleurs. Voilà. Donc, c'est du 30-40, un perle ronde. Elle est jolie, je trouve, quand même. Alors, je vais vous montrer... On y va. Alors, sur un papier pailleté. Voilà, c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci. Et ça colle bien. Alors, la Katarina à la rose, elle est à 5,89 $. Voilà. Donc, elle est très, très jolie. Voilà, donc pour aujourd'hui. Alors, si vous regardez la vidéo sur la télé, pensez à regarder sur votre téléphone ou sur votre tablette ou ordi après pour bien voir les promotions du moment. Puisqu'à la télé, on ne les voit pas. Hein. Et là, le texte est vraiment trop, trop long pour que je vous le mette à l'écran. Je vous mets tout en détail dans la barre d'infos.
Moi, je remercie beaucoup la boutique Outdoor Tide. Voilà. Je suis désolée. On est tout en train de dire le nom de cette boutique en catastrophe. Mais bon. Je suis heureuse de présenter des articles de chez eux. Ça fait pas longtemps hein, qu'on présente des articles de cette boutique. Mais voilà. Là, j'avais fait mon choix le 1er novembre. Je les ai reçus le 13, ou le jour de mon année, le 13, je crois, ouais. Donc, vous voyez, ça va très, très vite. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!